première semaine de cours, elle s'est bien passée? En tout cas pour moi, oui. Quelle est ta matière préférée, Maëlys? J'aime à peu près toutes les matières, mais puisqu'il faut en choisir une, je dirais le français. Et vous, les gaufrettes? Indiquez-nous votre matière préférée en commentaire. Bon, si on parle cuisine à présent. Découvrons ensemble la recette du jour avec le jeu de mercredi. De betterave, il faudra une gousse d'ail, 400 g de betterave cuite coupée en morceaux, 265 g de pois chiches égouttés, 25 g de jus de citron, 150 g de yaourt à la grecque, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel et une pincée de poivre. Nous ne le répéterons jamais assez. Vous pouvez réaliser cette recette sans le Thermomix. Utilisez votre mixeur habituel. Je lève la germe de l'ail. Dans le bol, je hache la gousse d'ail, 5 secondes, vitesse 5. Je racle les parois du bol et j'ajoute la betterave, les pois chiches, le jus de citron, le yaourt, le cumin, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le sel et le poivre. Puis je mixe 1 minute vitesse 6. Je transvase dans un récipient et y ajoute le reste de l'huile et je réserve au frigo jusqu'au moment de servir. Pour la tartinade d'artichaut à la tomate, il faudra une gousse d'ail, 6 cœurs d'artichaut en conserve égouttés et coupés en morceaux, 100 g de tomates séchées égouttées, 2 pincées de piment d'Espelette, 15 g de jus de citron, 30 g d'huile d'olive et 1 à 2 pincées de sel. Je lève la germe de l'ail. Dans le bol, je hache la gousse d'ail, 5 secondes, vitesse 5. Je racle les parois et j'y ajoute les cœurs d'artichaut, les tomates séchées, le piment, le jus de citron, l'huile et le sel. Je mixe 2 minutes, vitesse 3,5. Je transvase dans un récipient et je réserve au frigo 2 heures avant de servir. Ce n'est pas parce que les vacances sont finies qu'on doit arrêter les apéros. Servez ces tartinades avec du pain grillé, c'est juste excellent. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.